Qu'est-ce que je vous ai promis Je vous ai promis quelque chose, de vous donner une leçon, une information très importante. Vous l'écoutez. Encore eh, au départ de cette eh, parole, je veux le dire que plus tout c'est adressé à nos hommes d'État, notre président Macron, mon ami ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, membre de parlement tous les élus, tout le monde qui peut l'écouter et qui peut faire quelque chose. C'est adressé à vous. Parce que c'est à vous de faire le travail. Le peuple ne peut pas faire ce travail-là. Ce travail, c'est quoi Ce travail, c'est ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur de faire face aux islamistes. Ce qui était déjà prononcé par les anciens présidents de la République française, par les anciens. Premier ministre, même pas notre président Macron. Comme quoi, nous sommes en guerre avec l'islam terroriste, islam politique, islam djihadiste. Déjà, ils n'ont pas le droit de faire des propagandes. Moi ici, je détecte et je le coupe. Ailleurs aussi, de votre ça. c'est le premier règle. Deuxième règle. Il ne faut pas leur donner la parole. Pour nous parler des fois dans certaines émissions euh, diffusées dans le monde entier, même en France, nationale ou internationale, nous constatons des avec l'Amazon, mais avec un autre visage, avec un autre nom, comme Christophe de tout à l'heure qui était Kamal, ou peut-être d'autres choses. Et il faut être très intelligent. Deuxièmement, moi j'ai l'expérience, je suis un historien, un rechercheur, 130 livres, etc. etc. Je connais, je sais l'histoire. Quand, de l'autre côté, nous devons faire des, des éducations, des enseignements concernant l'islam politique, dévoiler les vices de l'islam politique, le danger de l'islam politique, les versets dangereux, il faut les sortir. Moi, j'ai donné des analyses bien détaillées, que même s'il y en a un verset de Coran qui ordonne de tuer, comment on peut dire que voilà, c'est parmi les versets dans le Mansour, annulés et euh, que les gens ne prennent pas note. C'est-à-dire c'est un travail d'éducation. Il faut officiellement entrer dans le travail éducation et il ne faut pas avoir peur de toucher le Coran. Parce que on a. On dit, oh, oh non, non, c'est que c'est. Non, non. Non, non. C'est ce que je vous dis toucher le Coran, purifier le Coran, enlever et sortir un Coran sans danger, sans ordre de tuer. Le soir, s'il y a un film à la télé, qu'il y a euh, quatre pistolets dedans, en bas c'est marqué interdit pour moins de 12 ans, 10 ans, même au cinéma c'est interdit. Alors pourquoi euh, ce livre, le Coran, qui dit tuer les gens, il y a plusieurs versets qui ordonnent de tuer. Pourquoi on laisse comme ça à la main des gens Pourquoi Il faut l'interdire. Comme de l'autre côté, la vie de Mahomet, écrite par Voltaire, c'est interdit en France. C'est interdit. Alors, il faut interdire aussi le verset, est dangereux. selon le Coran qui nous autorise, il dit, ces versets sont annulés. Ça, c'est le travail de savants comme David Abbassi, pas n'importe qui. D'autres choses, monsieur le Président Macron, mon ami Christophe Casteller, le membre du Parlement, d'autres choses que je vais vous dire. Cette expérience que je vous dis, c'était faite dans le pays musulman. Dans le pays musulman eux-mêmes, ils ont fait face à cet islam politique, et ils ont réussi. Ils ont réussi. Il y avait plusieurs millions de peuples aveugles, ignorants. En Iran, en 1925, il y a Reza Shah qui prend le pouvoir. Et en Turquie, il y a 1923, Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kamal, c'était son nom. Il prend le surnom d'Atatürk, ça veut dire le père de Turc. Ces deux personnes ils enlèvent l'islam politique de la vie sociale de leur pays. Et ils ont gagné. La Turquie l'a gagné jusqu'à maintenant. Les islamistes sont entrés. Mais l'Iran, il est perdu avec la révolution islamique d'Iran il y a déjà 40 ans. De nouveau, les islamistes ils sont venus au pouvoir. Mais pendant des années, que le Shah d'Iran et son père Reza Shah était au pouvoir, ils ont fait face même ils ont changé le calendrier, même ils ont interdit le voile, les patatis. Pendant deux années, c'est dans un pays musulman, on n'a pas, pas eu la guerre euh, intérieure, la guerre civile. Ce qu'on vous dit, si vous, faites, vous critiquez l'islam, vous touchez l'islam, il y aura une guerre civile qui va déclencher. Ce sont les islamologues, les savants, les universitaires qui sont esclaves de Petro-Dollar qui vous dit ça. Petro-Dollar, il est très fort en Occident, même en Amérique avec l'argent qu'ils ont, ils créent des associations, des fondations, et, des, des centres de recherche, et tout ça, et ils viennent à la télé-radio, ils parlent, il faut faire, veillant à ça. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'ils ont dit et ils ont fait en Iran en 1923, et ça a duré pendant plusieurs années, et ça a duré jusqu'en 1979, ça a duré. Et ce que Mustafa Kamala, il a fait... En Turquie, et, euh, ça dure jusqu'à maintenant, la laïcité dans un pays musulman. Euh, voilà. Après, il y avait deux autres euh, grands dirigeants des pays musulmans qui ils ont suivi euh, ces deux grands messieurs, Atatürk et Reza Shah. suivis par euh, Jamal Abdel Nasser en Égypte et par Habib Bourguiba en Tunisie. Ces deux pays-là aussi, c'était laïque. Vous rivez ce qu'il a fait, la laïcité qu'il a installée là-bas dans son pays. Oh, là, là, regardez qu ce qui se passe maintenant, regardez qu ce qu'il était. Il ne faut pas avoir peur, monsieur le président, monsieur le premier ministre, et mes, monsieur euh, euh, le ministre de l'Intérieur, les députés, voilà. Il faut critiquer l'islam politique, il faut critiquer les, le Coran, il faut dire le voile c'est quoi, il faut dire, dire, dire. Dans le pays musulman, quatre forts pays musulmans Iran, Turquie, Tunisie, l'Égypte, ils ont fait ça dans le siècle précédent. Ils ont réussi. Pourquoi pas en France On peut réussir, mes chers amis. Et le Coran, de l'autre côté, ce qui est très important, je veux vous dire, ce qu'on dit, cet attentat n'a pas été revendiqué. On dit cet attentat n'a pas été commandité. Cet attentat n'était pas terroriste, puisque le gars, il n'avait pas la carte d'adhésion de Daesh dedans, <laughs> dans sa poche. Alors, une chose que vous devez savoir, puisqu'au départ de mon émission on en a parlé sur le parti et Hezbollah ça veut dire Hezbollah c'est une partie politique qui est confirmée dans le Coran même mais le système de Hezbollah des partis politiques musulmans islam politique, ce n'est pas comme ceux que vous connaissez ici en Europe moi j'ai ma carte pour tel parti non non en islam faut la volonté une fois qu'il te dit moi je suis musulman tu avais d'autres religions, même te dis, je dis, je témoigne qu'il n'y a aucun Dieu euh, sauf Allah, aucun Allah, et Mohammed, il est le prophète, et tu deviens musulman. C'est tout. Quand tu dis ça, tu es musulman. Après, il n'y a pas de carte d'identité. pas Il n'y a pas ton adhésion. Une fois que tu es, ton bouquin c'est le Coran. Après, le mofti qui ordonne de tuer... Un mufti, il peut donner ordre de tuer, mais un million de mofti il peut ne pas donner ordre de tuer. Mais c'est un mufti qu'il ordonne, n'importe quel musa, musulman, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle fonction, il devient un militant. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça que vous ne savez pas. Vous, vous pensez qu'il doit avoir la carte de d'Aech dans sa poche Non La carte de taliban Non mofti il a ordonné, Abu Bakr al baghdadi un autre connard, il ordonne. Euh, beaucoup de muftis d'Arabie Saoudite, à droite à gauche, il ordonne. Après, ça y est, un musulman, il est président d'une société, il est. Euh, je ne sais pas qui. Il est, vous voyez que tous ces gens-là qui deviennent terroristes, c'était des gens sans, sans histoire. Sans histoire. Mais ordre, il sort, même pas lui, il ne connaît pas le mufti. Mais puisqu'il est membre de Hezbollah, de parti d'Allah et cette partie d'Allah qui va être victorieux il fait ça c'est indépendamment il n'y a pas de contact téléphonique dans son carnet de téléphone vous ne trouverez pas de contact téléphonique avec Syrie ou Irak ou je ne sais pas où il a écouté à la radio il a écouté à la télé quand on a dit c'est des mecs en euh, euh, à, Amérique, il fait la guerre à l'Irak, et d'autres, il fait la. Et il tue là. Et il tue un peu qu'ils sont en train de tuer. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher. Il n'y a pas d'organisation terroriste-islamiste. Ce n'est pas organisé c'est individuel. C'est pour ça que tous ces gens-là qui sont entrés dans les actes terroristes en Occident, c'était des gens que pour le pas, on n'a rien trouvé. Mais il ne faut pas dire que ça n'a pas été revendiqué. Revendiqué par l'imam, par le mofti. Après, ça, c'est homme mal islamier, c'est-à-dire c'est le peuple musulman tout entier qui doit les obéir. Obé obé mais heureusement, ce n'est pas le peuple euh, musulman, c'est une poignée de mains, ces gens-là, que euh, voilà, vous le voyez. Pour ça, il faut jamais dire, il faut jamais dire que ça n'était pas revendiqué, tout ça, non. Fatwa, ça veut dire ordre de Dieu. Parce que Mofti, c'est un ayatollah, c'est un mullah, c'est un chef religieux qui donne le fatwa. Fatwa, il est sacré. C'est-à-dire, il parle au nom de Dieu, cette merde. Cette merde, il parle au nom de Dieu. Il donne fatwa, il dit Salman Rushdie, il faut le tuer. Après, n'importe quel musulman, il va le tuer. Musulman, qu'on qui est politique, mais c'est un musulman, si c'est un musulman bien propre, humain, jamais ils ne vont pas écouter tous ces connards là. Fatwa a été donné et ces gens là ils tout en plus dans le Coran même. Il y a l'ordre de tuer en plus dans le Coran même. Il y a un verset, il dit de la Et c'est cette verset là, j'ai dit dans une autre émission, vous pouvez aller l'écouter dans le Coran. Même il dit on vous a donné la force patati patata pour terroriser l'ennemi d'Allah. <laughs> c'est dans le Coran. C est, c est, il existe dans le Coran. Il faut, faut pas avoir peur de dire qu'on va purifier le Coran, que le Coran une partie que c'est le verset c'est les versets qu'il a nommé Salman Rushdie, c'est le verset qui ordonne de tuer. Il faut interdire. C'est très important. Alors, de temps en temps, on nous dit telle piste n'a pas été essayé telle piste n'a pas été confirmée. Non, l'individu musulman qui a le Coran à la main qui a le Coran n'importe où, c'est comme un mitraillette. Puisqu'il a là-dedans le verset et il a les histoires. Je vous ai dit déjà plusieurs fois, même le prophète de l'islam, Mahomet, lui-même, il a ordonné de tuer certaines personnes. En l'an 2000, dans le journal Panoramique, David Abassi a écrit un article Origine de terreur en islam, c'est monsieur Muhammad lui-même qui l'a ordonné d'aller ramener la tête de cette femme juive qui est en train d'écrire des poèmes contre moi <laughs> il n'y a pas de revendication il n'y a pas de commanditation on va pas le commander, non il, dépend, il, il travaille indépendamment et il travaille de distance islam est parti Allah parti islamiste ne sont pas comme des partis socialistes, URMP, je ne sais pas quoi, partis patati patata. C'est une partie, il n'y a pas de carte adhérente. L'individu a le droit de mentir. Aujourd'hui, même sur cette antenne, je vous ai fait voir que l'individu il vient, il ment. L'individu il vient, il change son nom. Il prend un nom chrétien. Euh, puisqu'il pense que quand il parle au nom de chrétiens, il dit alors les chrétiens aussi, ils ont, non non mon ami s'il y a déjà mille ans au Moyen-Âge, mille ans après Jésus, il y avait des guerres, aucun rapport avec Jésus, aujourd'hui personne ne touche pas les gens en criant euh, euh, vive Jésus ou vive Moïse, mais ils tue en criant Allah Akbar. C'est ça que vous devez le comprendre. Et là, c'est ça, j'arrive à la fin de mon émission. Je suis obligé de vous quitter et je vous dis au revoir. Bonne soirée, à bientôt. Bye. N'oubliez pas, n'oubliez pas, mes chers amis, que toujours vous pouvez rester à l'écoute de votre radio sur 95 de FM. Mais n'oubliez pas, encore je répète, mes chers amis, je répète encore, les islamistes, les intégristes n'ont pas le droit de parler et de faire des propagandes islamistes. Ok, je vous embrasse, je vous dis au revoir, ça, ça n'a pas été déclenché, Didier, je le déclenche moi-même. Voilà.